Bonjour, je m'appelle Maya Joinville, j'ai 11 ans, je suis née le 11 février 2009 et aujourd'hui je vous présente Le loup qui aimait trop les bonbons de Christine Vegel et Hervé Le Goff. Mamie poule, on peut avoir des bonbons? Vous en avez déjà eu. Juste un tout petit, c'est trop bon les bonbons. Ce n'est pas si bon que ça, le loup vous le dira. N'ouvrez pas la bouche, mais vos oreilles. Matin, midi et soir, le loup croque des bonbons. Fraises, sointoin des bois, sucette, pâquerette, sucre d'orge, pomme d'amour toujours. Croque un bonbon par-ci, croque un bonbon par-là. Bien évidemment, jamais le loup ne se lave les dents. Et il a une de ses haleines, des goûts. C'est l'heure du goûter. Le gros bidon décide d'aller chez le petit cochon. Inutile de vous dire que la dernière fois, il a croqué sa maison en réglisse tire-bouchon. Le petit cochon s'est échappé de justesse. Le loup y est. Devant la nouvelle maison en bois, il frappe à la porte 3 fois. Toc, toc et toc. Qui c'est? Ton grand frère. Le petit cochon ouvre. Bah oui, il est très bête. Un bonbon ou la vie, dit le méchant qui pue des dents tellement que le cochon tombe dans les pommes. Le loup en profite pour lui voler tous ses bonbons. Puis il s'enfuit dans les bois profonds. Le ventre du loup grossit à vue d'œil et sa faim de bonbons aussi. Plus il en mange, plus il en veut. Là, il a envie d'un crocodile en gélatine, un verre très précisément. Il court jusqu'à la rivière et là, il en voit un énorme dans l'eau. Mais des bulles, des tas de bulles, parce que le crocodile proutait. Mais faut pas le répéter, le loup va-t-il le dévorer? Non, un bonbon croco-prout, ça ne plaît pas au loup. Maintenant, il a envie d'une barbe à mouton, du pur sucre à son papa. Vous n'imaginez même pas ce que le loup est prêt à faire pour des bonbons. Il se déguise en caniche, oui, c'est possible, et il y va. Il se faufile au milieu d'un troupeau tout blanc. Personne ne le reconnaît. Il choisit un petit moumou, mignon, trop mignon, miamou. Celui-là. Il lui montre ses grandes dents pleines de caries et dit: un bonbon, on l'a vu. Berk! Le petit moumou est mort de rire. Autant vous dire que le grand méchant est vexé comme un pou. On ne se moque pas du loup. Furieux, il plante ses dents dans la moumou du petit malin et... Aouh! Qu'est-ce que fait? Plus de dents? Le loup perdu les dents? Tout ça à cause des bonbons et d'un mouton? Ah ça non! Aouh!